Le cinéma français a tourné sa dernière page majeure dans les années 60 et se contente depuis du modèle développé dans le courant des années 70. C'est-à-dire des comédies à très gros succès mais rarement bien foutues, des films parisiens de mœurs ou des témoignages sociaux, et quelques ovnis cinématographiques venus nous rappeler plusieurs fois par décennie combien le cinéma français peut allier le populaire à l'excellence. Le populaire à l'excellence, c'est exactement ce qui définit le cinéma d'Henri Verneuil, un des réalisateurs les plus centrales de l'histoire du cinéma français, qui est aussi un des plus détestés par la nouvelle vague. Il avait réalisé les plus gros succès des années 50 comme La Vache et le Prisonnier, puis il a signé des grands films de guerre dans les années 60 comme Weekend à Zuidcote ou Un singe en hiver. Il a relancé le cinéma mafieux avec Le Clan des Siciliens à la fin des années 60, et il a réinventé le polar français dans les années 70, principalement avec Peur sur la ville. Verneuil, qui avait été révélé par Fernandel au début des années 50, a traversé le cinéma de papa de cette décennie. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Puis il a ignoré les attaques de la nouvelle vague dans les années 60 qui faisaient de lui leur tête de turc. Il finit par refermer la page du cinéma héroïque dans les années 80. Et le tout en ayant fait dans sa carrière plus d'entrées qu'aucun autre réalisateur français ces 70 dernières années. Durant 30 ans, Henri Verneuil a greffé une dimension artistique intense à des succès populaires considérables, à la façon d'un réalisateur comme Christopher Nolan quelques décennies plus tard aux États-Unis. Verneuil a incarné l'alliance du populaire à l'excellence, avec ses acteurs fétiches qui sont tour à tour Fernandel dans les années 50, Gabin, puis Delon et Belmondo dans les années 60, 70 et 80. D'ailleurs, c'est au début des années 80, avec Belmondo, qu'il tourne son dernier succès, qui est nettement moins bien que ses précédents, à un moment où Jean-Paul Belmondo, dernière gloire d'une époque presque morte, tient le cinéma populaire français à bout de bras. Belmondo alterne au début des années 80 le film héroïque et la bouffonnerie avec un égal triomphe en restant toujours indifférent face à une critique assez condescendante. Delon, qui est moins présent et moins populaire que son ami à cette période, continue lui d'incarner uniquement des héros purs dépourvus de nihilisme ou d'auto-dénigrement. L'alter ego Jean-Paul Belmondo arrondit toujours les angles avec son époque, mais continue d'imposer quelques films cultes. Alain Delon, lui, inversement, reste très frontal, ne négocie jamais, mais au final s'épuise dans un conflit permanent avec la presse. Quand je dis non, c'est non. Il lasse le public, il se répète, il se laisse enfermer dans une image et se retrouve totalement isolé face au reste de la profession cinématographique française qui est décidément bien ingrate. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si dans ces années, Belmondo est présenté comme un être futile par la critique, Delon est carrément présenté comme un réactionnaire, un vestige de l'ancien monde qui devrait déjà être mort. Au final, en approchant le milieu des années 80 et en fin de carrière, Delon est aussi tourmenté que Belmondo reste décontracté. Belmondo semble ne jamais avoir cherché la légitimité, il est né avec, et il profite de sa carrière pour s'offrir des œuvres galvanisantes qui entraînent le public. Il ne cherche pas des chefs-d'œuvre, mais au final, Belmondo en rencontre autant que son faux jumeau Alain Delon. Belmondo incarne cette France légère qui fascine de par son aisance à provoquer intuitivement la passion avec un appétit sans faille pour la vie. 30 ans durant, les spectateurs se régalent de voir Belmondo s'amuser. A l'opposé, Delon subit un matraquage médiatique assassin quotidien qui va bien au-delà de ses films, et ce pendant plusieurs décennies. Au-delà de ses films, Delon dérange pour ce qu'il incarne, cette France éternelle affirmée et assumée qui ne baisse jamais la tête. Depuis les années 80, son image est peu à peu remplacée dans les esprits de la nouvelle génération par cette image ridicule que donnent de lui de nombreux imitateurs moqueurs et par des parodies qui finissent par faire de lui ce bouffon qu'il a toujours refusé de jouer. Delon reste fidèle au héros qu'il est le dernier à avoir incarné en continu en s'affirmant sans céder aux exigences nihilistes de son époque dans un pays qui, au début des années 80, est désormais converti aux ratés, aux moches, à ceux qui renient leur passé en se vautrant dans une dérision nationale devenue institutionnelle. À la fin des années 80, Jean-Paul Belmondo, dont l'aura reste intacte, tourne un dernier chef-d'œuvre bâti à sa démesure. Excusez-moi, messieurs, dames, vous savez ce que c'est avec les fantômes? Le bien nommé Itinéraire d'un enfant gâté. Il y est entouré de jeunes fragiles, incarnation des hésitations de leur époque, et forcément, ces jeunes sont intimidés par la puissance du vieux lion qu'il incarne et à qui rien ne semble jamais avoir résisté. Magnifique. L'Itinéraire d'un enfant gâté sort, et la France nostalgique d'une grandeur dépassée vient admirer son Jean-Paul Belmondo national sur grand écran. Globalement, en 88, avec L'Itinéraire d'un enfant gâté, on peut marquer la fin de la génération Delon, Bardot, Belmondo qui en a fini avec le cinéma.
y reviendront pour quelques coups mais sans intérêt. Pour soutenir cette chaîne, vous pouvez liker, vous abonner et cliquer sur la cloche afin d'être prévenu quand une vidéo sort.